Salut tout le monde et bienvenue dans la suite de Jack 3. Bon, on vient d'obtenir notre premier pouvoir de lumière. Qui nous permet de nous régénérer. Ce qui est assez cool. Donc on a un pouvoir qui nous permet de regagner des points de vie dans des situations extrêmes. Ce qui nous manquait dans Jack 2. Non mais je vous dis, ce jeu comble énormément de lacunes de Jack 2, c'est pour ça que je l'adore. Celui-là, c'est le meilleur opus de Jack and Daxter. Le meilleur, the best of the best. Il a tout pour plaire. L'environnement, diversité d'environnement aussi. Plus de diversité niveau environnement, ça c'est cool. J'aurais aimé qu'il y ait des paysages enneigés. Il n'y a malheureusement pas de paysages enneigés en dehors de Jack and Daxter. Ce qui est dommage. J'aime beaucoup tout ce qui est enneigé, mais déjà le désert, c'est cool, c'est top. Bon, on va retourner à Spargus. Ouais, je vais faire comme dans le précédent. Je vais couper jusqu'à mon arrivée à Spargus et on se retrouve directement là-bas. Je vole. Non. Bon, tant pis, c'est presque parfait. Je le suis payé. Et hop là, hop. De retour à Spargus, à ma ville bien aimée. Petite quand même. Comparé à Briville, c'est pas beaucoup. Mais vous en doutez que c'est pas le seul endroit où on va aller. On a Light Jack et Dark Jack à fond, enfin quasiment à fond pour Light Jack. Je vais te poser une question. Oui. La nouveauté de ce jeu, c'est qu'il y a des faisceaux d'écho blanche et d'écho noire. Donc du coup... Attends, dégage. Il est à fond. Logiquement, c'est censé me remettre à fond, mais là j'ai... comment dire... C'est censé briller comme... Bon. Tant pis. Bon, au moins, on a un CIO d'écho blanche, ici. Un CIO. On va dire un générateur, ce sera plus simple, un générateur d'écho blanc. Ça, c'est cool. Hop, pardonnez-moi. Je vais juste voir votre souverain, le suprême leader. Hop. On va prendre ça, un Kaiserzor. Hop. Ça fait vachement penser au flux-flûte. Mais franchement, ils ont rajouté... J'arrêterai pas de le dire, ils ont vraiment rajouté des trucs très sympas dans ce jeu. Je l'adore. Et j'aimerais tellement qu'ils fassent un 4ème opus, bordel de merde. Et The Lost Frontier, ça compte pas comme un 4ème opus. C'est... Il est pas terrible comme opus The Lost Frontier. D'ailleurs, si vous voulez le voir, il est directement sur ma chaîne Dailymotion. Mon ancienne chaîne Dailymotion. Vous avez le let's play complet. Un peu vieillot, un peu de mauvaise qualité, mais je compte pas le refaire. Quoi qu'il arrive, je ne le referai pas. Il a été fait une fois. Il est disponible en ligne et j'aime quand même bien Let's Play globalement. Il aurait pu être mieux, mais j'aime bien tel qu'il est. Donc voilà, disponible sur ma chaîne Dailymotion. Le lien est sur l'avant-garde de ma chaîne, je crois. Vous allez sur la page principale de ma chaîne, il me semble que je mets un lien dans ma page Dailymotion. Ou bien si vous êtes à propos ou... Bref. Avis aux habitants de Spargus. Une violente tempête arrive sur nous. Préparez la ville. Jack. Il y a 4 renégats là-bas, dont on n'a toujours aucune nouvelle. Je veux que tu ailles les chercher. Je compte sur toi pour les ramener. Ok. Ça marche. Je vous les ramène. La question est, quel véhicule vais-je prendre? Est-ce que je vais prendre le requin du désert ou bien la puce des dunes? À moins qu'on nous laisse pas le choix. C'est requin du désert ou reconnaissable, je sais plus. Merci de m'avoir attendu, mon petit gars. Si on a le choix, je pense que je prendrais plutôt la puce des dunes. Parce qu'il y a une possibilité de... de se déplacer mieux avec les sauts, etc. Alors que la puce des dunes... Non, pas la puce des dunes, le requin du désert... faut voir. Si on a le choix, je pense que je vais prendre la magnifique. Et du coup, non, on est obligé de prendre le requin. Pas de soucis. Je comprends. Il est pas mal. Il est pas mal non plus, donc on va pas se plaindre. Ok.
Bien entendu, c'est ce fameux système de tempête de sable qui se repousse à chaque fois que vous accomplissez quelque chose. Ah, c'est ça qui me pose problème avec le requin. Donc quand même, c'est une tempête de sable assez sympa. Donc, voilà, très poli. Oh, loupé. Hop là. Aïe. Donc il y en a 4 à récupérer. Faut aller ramener Aspergus, il me semble qu'il y a une espèce de véhicule blindé qui traîne dans des sables. Allez. En tout cas, vous avez de la chance, vos tempêtes de sable sont très très polies. Pas le temps de... Voilà. Allez. Aïe. Allez. Allez. Allez, tu peux le faire. Tiens, gars, super. C'est moi qui sortais du véhicule. Manqué. Ah. Vous attendiez pas à ça, bordel de merde. Aïe. Je m'attendais pas à me faire. Aïe, putain. Aïe. C'est bon, tout va bien. Le sol a amorti ma chute. Yeah. Viens par là, mon gars! Et ami, on fonce! On va avoir fait la moitié. Ah ah ah! Non! Je veux pas perdre le contrôle de mon véhicule! Donc, fais gaffe parce que il y a certaines zones qui sont un peu plus profondes. Vas-y! T'inquiète, mon gars! Allez, et toi l'abri. Je cherche tes potes. Voilà. Non, je prends pas le temps de tuer les ennemis, hein. Moi je... Je pense... Ah. Tiens, j'aurais tenté. Ça aurait été très stylé, mais malheureusement... Putain, j'ai bientôt perdu la moitié de ma vie. Merde, il est en haut, c'est ça? Ah, fais chier! Faut pas que je crève. Presque plus rien. Ah, je sais pas si j'aurai suffisamment de vie pour le dernier. Ok. T'as calmi. Vraiment petit. Ouais. What? Non. Oh putain. Fais chier. Oh dommage. Bon. On fait. Je suis tué des ennemis cette fois-ci pour obtenir des boosts. Premier ennemi qui va venir par là. Voilà. Pour l'instant, on va le garder en réserve. Si ça nous sera utile. Ok. Deux. Le premier pour l'instant, c'est facile. Allez. On sauvegarde un maximum de points de vie. Yahoo! Allez. Ouais, donc en fait, il ne redonne pas du temps pour qu'on accompagne le gars au convoi, d'accord. J'avais pas prêté attention à ça. Désolé. Non, je me focalise pas sur le temps, je me focalise juste sur la distance. Hop. Un peu mieux.
Et on n'a pas perdu beaucoup de points de vie ou du moins pas du tout. Dégage. Aïe. Ok. Et bon, je maîtrise. Ouais. Hop. Allez, on te remet dans le convoi. Couche-toi, mon pote, couche-toi. Ouais, je sais, t'en fais pas. Je maîtrise à peu près. C'est à peu près qui est... Et... Allez. On se bouge. Nickel. J'ai besoin d'aide. Quel soulagement de te voir. Allons vécu. Et allez. On va le faire. Hop. Yes. Allez, le véhicule. C'est très bien, on a deux boosts. On a plus de la moitié de notre vie. Allez, je te largue ici. T'es un gars super. 4 minutes. C'est pas ce qu'on a déjà. Pourquoi il y a 4 minutes ici? Oh shit. Oh shit, je crois me souvenir. Je crois me souvenir. Putain. Désolé. Le fail. Bon, je vais couper pour les trois premiers. Vous les connaissez bien, donc... Ok. L'objectif, maintenant, c'est de ne pas fail. Ce qui est plus difficile que ce que... ce qui paraît. Enfin, pour moi, en tout cas. Donc, on va rester sur des zones plates, pas dangereuses, et c'est déjà bien. Ok. Plus de boost. Bah, là, ça me paraît d'être la bonne voie. Je crois savoir ce qui va se passer. Je crois savoir ce qu'il va y avoir. Hop. Et... cristal d'écho noir. Et un boss tué pendant un certain temps. Bon, enfin c'est une espèce de premier boss du jeu, même s'il n'y a pas de barre de vie. Ouais, c'est-à-dire, je comprends pas, c'est un boss, et, enfin c'est vraiment un boss. Et il a pas de part de vie. C'est un peu particulier. Hop, allez. Ok. Allez, plus qu'une phase et on est bon. Allez. Ouais. Fastoche. Fastoche. Ce que tu as? Allez. Crève, voilà. T'es crevé. Et maintenant, on dégage, on rentre. Aspargus. Allez. J'ai un doute si on recommence toute la mission ou bien s'il faut juste commencer la fuite.
Dans le doute, je vais éviter de prendre des risques et rester sur des chemins bien plats, bien définis. Vite fait. Ouais, c'est vrai que ce gars-là, il avait... C'est une même phase qui se compliquait de plus en plus. Mais ça, on va dire que c'est un demi-boss. C'est un demi-boss qu'un vrai boss. Ok. Et... Allez. Moteur et fumant. Putain, faut que j'arrête de prendre ce genre de risque. Ouais, on sent vraiment la fin de vie du véhicule. Et Sésame, ouvre-toi. Yes. Putain, on a réussi cette mission de merde. Parfait. Bienfaiteur. Je sais. Ah, ça c'est fait. Le point. C'est comment ça s'appelle déjà? Je me souviens plus du nom de l'autre. Là-bas, je crois me souvenir de quelle mission ça va être. Je crois me souvenir. J'avais un doute si c'était maintenant ou plus tard que ce serait. Apparemment, ça va être maintenant. Ma foi. Et juste pour checker le temps. Putain, ouais, la première mission m'a mis pas mal de temps quand même. Ouais, les missions sont plus longues dans ce jeu. Définitivement plus longues. Je les enchaîne moins vite. C'est pas l'heure de votre sieste, les filles? Ouais, c'est ça. Cette tourelle était la seule chose qui nous protégeait de la menace constante du désert. Personne ne maniait ce joujou comme moi. Vous voulez essayer de faire mieux? Oh, t'inquiète pas, les joujoux, c'est son truc. Hein, Jack? Ouais, ta gueule. Allez, on va grimper là-dessus. Et ça va être du tir à la cible, quoi. Un truc qui paraît assez facile, mais qui s'avère être un peu plus compliqué qu'il n'en a l'air. Ok. Pas des combos. Moi par contre, il y a des couleurs supplémentaires. Elle est pas automatique le canon. On est obligatoirement. Il faut obligatoirement appuyer pour moi. Ok. Allez, c'est plus tard. Ok. Fais la moitié. Ah si, on l'a fait. Ouf.
Ok. Ok. Ça passe. Ok, c'est bon. Je maîtrise. Allez, on sort pas. Ok, il y en a un autre qui arrive. C'est bon. Allez, après cette salve, ça va être bon. Yes. Vous avez pulvérisé mon record. Et alors, même les plus grands se prennent des claques parfois. Ici, la règle veut que l'on remette un trophée au meilleur tireur pour honorer son talent. Ce cristal te revient. Mais je vais tout faire pour le récupérer. Ok. Cristal d'écho blanche. Yes. Pourquoi le cristal d'écho blanc? Le cristal d'écho, je sais plus à quoi ça sert. Ça sert à augmenter la capacité de... wait. Le moyen de... Cristaux d'écho blanc. Je crois que ça augmente la... Comment dire? La contenance d'écho qu'on peut avoir. Il y a un couteau sur la carte. Un sabre. Ah, l'arène. L'arène. Là, c'est l'arène. Enfin, quand je dis l'arène, pas la, l'arène... Si l'arène d'Angleterre, non, l'arène. Ouais, je sais, c'était quoi. Mais bon, faut bien que je dise des conneries de temps en temps, même si j'en dis suffisamment comme ça, bordel de merde. Ok. Alors. Allons. Terminer la partie arène. Histoire d'avoir ce putain de passe. Même si j'ai l'impression qu'on peut rentrer et sortir. On peut rentrer et sortir quand on veut de cet endroit. Bon. Allez, on va enfin devenir un véritable combattant de Spargus. Récupérons quelques munitions. Parfait, c'est tout ce dont on a besoin. Et j'ai un doute si on va récupérer une nouvelle arme ou pas. Peut-être. Yes. Bienvenue, valeureux combattant. Le seul, l'unique, le plus grand parmi tous les plus grands. Son Altesse, Sa Majesté! Assez, passe à la suite. Désolé, je me suis laissé emporter. Est-ce que je t'ai déjà dit que t'avais de bons cheveux? Becker! Oui, voilà. Il est temps de passer à une autre série de jeux. Vous devez combattre à mort. Bonne chance et que le meilleur homme ou le meilleur animal gagne. Ok, combat à mort. Et on a le Vulcano Shooter. attendez. Oui, c'est bon. C'est comment je m'en sers? J'ai pas oublié. Hein? D'accord? Bon, nouvelle arène. Nouveaux ennemis. Mais en soi, la meilleure arme, ça restera celle-là. Tellement simple! Oh oui. Oh putain. C'est vrai. Putain, c'est vrai. Ça fait plus délicat par contre, ouais. Et juste ces phases-là. Mais en dehors, ça va. C'est-à-dire que je me prenais la tête avant pour faire cette mission. Mais en fait, non, c'est... C'est pépère, hein. Franchement, des souvenirs, c'est tout ce que c'était. Ah oui, c'est tiré, c'est pas les... Et voilà. Oh. Sig, Jack, Daxter, Sig. Eh ben, vous n'avez pas bonne mine, vous deux. Qu'est-ce que tu fais là? Une démonstration. Finissons-en. Oh, mais enfin, Sig, on va pas se battre. Dans ce cas, il nous tuera tous les deux. C'est la loi de la reine. Désolé, j'ai rien contre toi. Hein? Non, pas ça. Pas ça du fait. Sacrilège! L'un de vous deux doit mourir! Battez-vous ou vous endurerez d'atroces souffrances. Je sens que je vais le regretter. Attrapez-les! Oh mon dieu.
Comment osez-vous transgresser la loi de la reine? Sig, ton séjour à Abriville t'a perverti. Et pour toi, le nouveau, je n'aurai aucune pitié. Je devrais vous abandonner au milieu du désert. Néanmoins, Sig, grâce à tes années de service comme espion à Abriville, je te laisse une deuxième chance, mais ce sera la dernière. Espion? Tais-toi, je t'expliquerai. Il y a un nid de métalpodes tout près d'ici. Ils sont après nos porteurs d'objets depuis quelque temps déjà. Je veux que tu te rendes au cœur du nid et que tu détruises toutes les créatures qui s'y trouvent. Je te dirai bien bonne chance, mais la chance ne suffira pas. Monsieur. Bon, bah on a recroisé Sig. Ok. Ah bah ma foi. Et je ne vais pas faire cette mission là tout de suite, je vais la faire dans la prochaine vidéo. Désolé. Mais le temps est compté pour celle-là. Même si j'ai passé pas mal de temps sur la mission dans le désert, mais bon. C'est pas grave. On va rester là, merci d'avoir regardé, je vais sauvegarder sur un autre slot, histoire... Histoire d'anticiper un peu la suite. Bon. Allez, merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit j'aime, à commenter, à partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!